Bonjour, nous sommes ici au Puy-en-Velay, c'est en Haute-Loire. Petit rappel de géographie, à un peu plus de 100 km là-bas, Clermont-Ferrand. Devant moi, à moins de 100 km, Saint-Étienne. Là-bas, à plus de 100 km, Valence. Et là-bas, l'Ardèche. Là, il faudra me croire sur parole parce qu'on est devant l'usine de l'entreprise Gagne. Gagne, c'est un joli nom, presque prédestiné. Dans cette usine, au Puy-en-Velay, on fabrique pour toute la France des constructions métalliques. Ici, ils en sont contents et ils en sont fiers. C'est pour ça qu'on est là. Suivez-moi, venez voir. Qu'est-ce qui fait qu'une usine comme ça existe encore au Puy-en-Velay et soit pas déjà en Corée? Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, elle est née dans ce pays. Et les gens qui ont créé cette entreprise étaient originaires du Puy-en-Velay. Après, la suite, c'est la conviction et l'envie de bien faire et de pérenniser des métiers auxquels on croit fortement. La conviction. La conviction, la force et l'envie. Aussi. La foi? Un peu, sûrement. Est-ce qu'il y a une culture dans l'entreprise Gagne? Sûrement qu'il y a au moins une envie commune, une envie de bien faire, une envie de bâtisseur, puisque c'est un métier de bâtir. Et ça laisse quand même quelques traces fortes par rapport à l'extérieur. Aimer bâtir, ça laisse des traces, aimer faire un beau geste technique, aimer le travail manuel. On est encore des entreprises où le geste manuel, qui est toujours alimenté par l'intelligence de la conception, qui est très importante aussi, est un facteur déterminant, je pense, encore pour notre réussite. Si on n'est pas coréen, c'est qu'on a quelques vertus sûrement de conception, de conviction et de savoir-faire. Mon métier, c'est d'être conducteur de travaux. Ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre un chantier depuis le bureau d'études, la conception des plans, et l'amener à bien sur le chantier, c'est-à-dire la réalisation finale. Vous allez de A jusqu'à Z, vous. Combien d'ancienneté chez Gagne? 26 ans d'ancienneté chez Gagne, plus bientôt. Et pourquoi vous restez là? Parce que c'est un métier, c'est ma passion, le construire. C'est ma passion. On a établi, dès notre arrivée, je dirais, notre prise de possession, on a établi comment on allait monter le chantier, on a établi un planning. Et à l'heure actuelle, on respecte notre mode opératoire et notre planning, on est au jour le jour. Et pourtant, ce planning a été établi au mois de mai. Et on est en décembre. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression sur ce chantier que c'est plutôt une vocation ceux qui sont ici? Sur ce chantier, tous les gens qui travaillent sur ce chantier ont une certaine fierté. Et vous savez, n'importe quel monteur a une fierté. Il passera sur la route, il dira un jour, eh bien moi j'ai monté ça. À ses enfants, il dira ça. Et que ce soit n'importe quel bâtiment. Mais plus spécialement le Zénith. Ça, c'est une fierté d'un monteur. La sécurité, c'est... Mais ça, c'est une des valeurs de l'entreprise Gagne? Ah oui. Oui, oui. Il y a eu de gros efforts depuis certains temps. Et puis, avant, une nacelle, on ne connaissait pas. Maintenant, c'est quotidien. Vous voyez, sur ce chantier, on en a quatre.